On se sent, moi en ce qui me concerne, je suis détendu parce que c'est un rallye de régularité. Alors c'est mon premier rallye de régularité, à vrai dire le deuxième, le premier je l'avais fait en 2016 du côté de Castillon-la-Bataille à Bordeaux. C'est un rallye pour moi un peu balade, un peu détente, même s'il paraît que c'est pas du tout le cas, on est en moyenne haute, hein, donc on a une régularité respectée sur une vitesse donnée à chaque spéciale chronométrée, mais il paraît que la moyenne haute elle est quand même assez élevée et qu'il faut tourner le volant et souder par moment la pédale d'accélérateur pour être dans le rythme, donc on verra. Voilà, cette année on part au Monte Carlo historique pour la première fois donc avec cette Lancia Stratos 24 soupapes qui est une voiture légendaire hein, qui a gagné le championnat du monde des rallyes en 1974, 75, 76. Alors ça c'est un exemplaire très rare puisque c'est une des dix 24 soupapes qui ont été fabriquées par l'usine à l'époque. Moi je me suis embarqué dans cette aventure par des amis qui eux le font depuis plus de 10 ans. Ils m'ont dit que c'était plus sympa de partir de Milan, donc on leur a fait confiance. C'est vrai que se retrouver dans une belle ville italienne comme Milan, c'est plutôt sympa. Hier soir, on était invités à dîner, on a remarquablement dîné. Donc ne serait-ce que pour le côté gastronomique, c'était sympa d'être à Milan. Voilà. Alors moi, pas du tout détendu comme Nicolas, mais c'est mon premier, donc forcément assez stressé. Après, c'est un beau rallye, visiblement. Déjà, il y a de très belles autos et l'ambiance semble au rendez-vous. Donc, on fera de notre mieux. Je ferai de mon mieux. On verra bien la suite. Merci à vous. Et bon, on se retrouve demain à Monaco et puis on va vous apercevoir sur la route alors. Bon. Allez, merci. Première journée quand même très difficile, très physique. C'est certes un rallye de régularité, mais c'est un rallye aussi de résilience. Hier, on est parti de Milan à 18h58 exactement. On a roulé on est revenu sur la France via le tunnel de Fréjus avec une étape, un contrôle horaire à Biella, dernier village italien avant la frontière. Et on s'est couché à Saint-Jean-de-Maurienne, enfin couché si on peut dire, à 0h45 pour se lever à 2h45. Donc on s'est reposé 2 heures pour reprendre la route au premier pointage à 3h30. Voilà, et là on arrive et on arrive à Monaco, il est 17h15. Donc ça fait une grosse journée quand même, avec une nuit extrêmement courte. Puis demain il fera jour, a priori demain c'est un peu plus cool. Enfin j'espère en tout cas, je crois qu'on part vers 8h. Donc on va pouvoir faire, j'espère, une nuit normale et puis on remonte sur Valence avec là les premières spéciales chronométrées de régularité, mais nous on est en régularité haute, ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on tienne le rythme, paraît-il. Le rythme est quand même assez élevé pour tenir la moyenne qui est imposée par les organisateurs. Et puis on a traversé aujourd'hui de jolis paysages à travers les Alpes, hein, puisque on est passé par Gap notamment et voilà, on a traversé des routes assez magiques. Donc la voiture aujourd'hui a très bien marché. Voilà. Donc elle semble toujours performante et j'espère que la fiabilité sera au rendez-vous jusqu'à mercredi. Espoir contre le cancer, donc l'association pour laquelle on court également, hein, on court pour Chaos Technology, mon entreprise spécialisée dans le cloud. Et puis pour Espoir contre le cancer, qui est une association dans laquelle Bruno Samy, pilote professionnel bien connu, qu'on ne présente plus, est impliqué. Espoir contre le cancer qui soutient la recherche médicale, notamment dans le département de l'Isère. Voilà, et donc Bruno Samy a monté tout un team et nous a sollicité pour qu'on soit membre de cette association et qu'on court à ses côtés. On a adhéré au team et donc on porte les couleurs de cette association que vous voyez sur les stickers. À demain. Oui, à demain. Rendez-vous à Valence pour cette première journée. Absolument. Pour cette première journée chronométrée.